Come on, feel the noise. White for sure. Rain, no. Yeah, bien tout le monde. Bien tout le monde au Sacred Break. Avec votre ami Fred. C'est moi ça, votre ami Fred Bombardier. Non, désolé, je fais juste me prendre des top loads parce que c'est la fois la plus importante au monde. Quand on break des cartes, ça protège vos cartes. Et on n'oublie pas l'eau, source de vie. Ok, donc là moi j'étais bien content, tantôt j'étais à la boutique, avancé une couple de trucs, faites le truc sur Romanov, ça c'est quand même assez incroyable, donc dans chaque fois que vous prenez un spot, ça vous donne une chance pour avoir un chandail, le chandail de Romanov signé, parce qu'on fait un tirage avec tous ceux qui vont avoir pris des spots dans toutes les breaks d'ici la série 2, on va se répéter les gars, ça c'est sûr, on va se répéter. On va se répéter, parce que c'est un beau concours. Mais là, j'ai fait un beau break. Là. J'étais bien content. 4 boîtes, une tin série 1 2021. Une artefact 2021. Une SP 1920 qui s'en vient plus rare que la verre de pape. Et la chronologie volume 2. Donc, c'est ça. Fait qu'on va commencer tout de suite. On va commencer le random. Plusieurs personnes qui m'ont demandé si je faisais un autre break après. Pas sûr partout. Parce que là, on réalise esti que si on veut faire des beaux breaks. Avec le nombre de quantités de boîtes limitées qu'on peut avoir. Mais des fois, faut comme certainer puis rationner, hein. Surtout en attendant la série 2. Parce que nous, on n'a pas de cop. On peut pas en avoir, on est dans un magasin trop nouveau. Fait qu'ils nous en donnent pas. Fait qu'on n'aura pas de cop à breaker. Fait que. C'est parti comme des petits pains chauds. Dit Sam Gauthier, effectivement. Quand tu fais des breaks de fou, comme je l'ai fait, souvent ça part rapidement. Des fois ça prend du temps, ça prend toute la nuit. Mais on va commencer à voir ça, hein. Vous êtes pas là, je peux écouter parler. 10 fois, je salue tout le monde. Dodo pour JP Moreau après. Donc, je te souhaite déjà bonne nuit, de faire plein de beaux rêves en espérant que tu rêves à une carte incroyable que tu vas pogner dans le break ce soir. Et on s'en va voir ça, donc on copie, on s'en va coller et on dit les spots à tout le monde. Dave Laroche, on se retrouve avec les Bruins, premier spot, The Rock. If you smell what The Rock is cooking. LP Leblanc, les Sabres, Hurricane Eric Leblanc. Simon Bédard, les Blackhawks, Avalanche, Frédéric Gagnon, Géant, gros team. Ensuite, JP Moreau, les Blue Jackets. On peut peut-être avoir une petite, mais future, j'ai une petite Alexandre Tessier, Auto Patch. Ensuite, on aurait notre ami Steve Robitaille avec Dallas qui a pris deux spots. David Vien, les Red Wings. Edmonton à Michael Robin, Francis Leblanc, les Panthers, les Kings à JP Moreau. Puis Moreau qui a pris deux spots. Finalement, j'ai pas marqué deux à côté de son nom. Je sais pas pourquoi. Deux. Damon. Ensuite, non, David Vien avec le Canadien. Gros team, c'est bien tremblé, les Prédateurs, les Devils, la C. Carole Joe Maher qui pourrait peut-être avoir une Jack Hughes. Dave Laroche, les Islanders, les Rangers à David Nadeau. Pourrait être payant ça avec les deux Tatirien 1 et notre artefact. Ensuite, on a Ottawa, Steve Robitaille, Carole Joe Maher, les Flyers, Barry Pingouin, Sylvain Tremblay, Francis Leblanc, Céline Saint-Louis, Tommy Gagnon, le Lightning, Joe Gingras, les Maple Leafs, les Canucks à Samsung, Tommy Gagnon, les Capitals, Vegas, Arimina Lancette, Mickaël Asselin, les Coyotes et les Jets, les Wild Ducks à Tommy Gagnon, Saint-Nosé Calgary, Maxime Legault. Et on s'en va au live scene. Ok, là je vais déposer ça ailleurs. J'en ai plus besoin. Et là voici l'endroit où je break des cartes. Avec notre podium. Notre beau podium. Qui est une confection de Joe Tessier qui est dans le groupe. Si jamais vous voulez des meubles aussi pour vos cartes, il fait des super belles armoires. Je vais mettre des photos. J'ai oublié aujourd'hui de mettre des photos de ce qu'il fait. Ok, break 275, on va commencer par la tin, après ça on va aller avec l'artefact, on va aller après ça avec la SP, et on va terminer ça avec la chrono, hein? Et voilà. Fait que, on va y aller, on va y mettre en ordre, let's go. Fait que dans la tin, c'est de la série 1, fait que, on peut avoir des paquets de base, et là je me souviens hier, j'ai vraiment gossé avec ça. Je vais pas me couper live, là. Je vais juste faire plus attention.
Donc, pour souper, moi, j'ai mangé du spaghetti. Je me suis fait du spaghetti et je me suis fait cuire des choux-fleurs au four. Parce que j'aime ça manger des choux-fleurs. Du choux-fleurs sur une plaque, mais des assaisonnements, un peu d'huile, un peu de sel, un peu de poivre. C'est fait. Et voilà. Ça, c'est ce que j'ai mangé pour souper. Avec un bon verre d'eau. Parce que l'eau, c'est source de vie. Là, on va avoir un esti de bon break parce que là, aujourd'hui, l'altitude détermine. Donc, l'altitude détermine ton altitude, hein, comme on disait dans le temps. Fait que là, vous allez me voir. Bonne altitude, bonne carte. On va commencer avec une petite glossy. Une petite glossy de notre ami Tyler Benson pour les Oilers d'Edmonton. Une petite Jason Robertson pour les Stars et une Liam Foudy pour Columbus. Chippy Moreau, les Stars, Steve Robitaille. Donc 17 personnes qui nous regardent. Si je sais qu'on va être plus que ça dans pas long parce que c'est le meilleur show en ville. C'est ça. C'est Fred quand il est énervé. Fred quand il est énervé, le meilleur show en ville, meilleure carte, meilleur tout. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qui arrive. Let's go! Et là, ça arrive parfois que dans ces paquets-là, il y a juste des bases. Donc, m'en voulez pas. C'est ça une pin. Mais on est assuré encore, assuré. On va avoir deux Young Guns. Je vous le promets. On va avoir deux Young Guns. Et on commence ça. Bonne chance à tous. Et là, c'est commencé pour vrai. Et on commence avec une Canvas 2021 de Nick Suzuki. David, viens. Ça s'en va chez toi, ça. David, viens. Commence bien. La petite Suzuki. Et notre première Young Guns, c'est une Shane Bauer pour les l'Avalanche, Frédéric Gagnon, Gignac. Ok, ça arrive sur le podium. C'est notre première Young Gun et les Young Guns, elles ont toujours leur place sur le podium lorsqu'on débute avec celle-ci. Juste un instant. Faut que je trouve un remède au grichage de mon micro parce que c'est un vraiment bon micro en plus. Mais je pense qu'on va avoir une petite. Et voilà, c'est ce que je pensais. On a une petite. Un paquet avec. Fuck out! Come on, feel the noise. More, what a noise. Et on a une Canvas Young Gun d'Arizona. Ben oui! L'Arizona, Michael Asselin. Victor Soderstrom ici, Young Gun. Nice! Ça, c'est un des prospects que j'aime bien de la série 2021. On n'en parle pas beaucoup. Fait que si vous aviez à aller commencer une PC pas chère seulement, moi j'irais avec lui, c'est peut-être pour moi défenseur d'avenir des Coyotes de Phoenix. Et on a une petite Sébastien Aho UD Portrait. Donc il nous manquerait une seule Young Gun, puisqu'on est supposé en avoir deux, mais on a déjà deux avec la Canvas. Mais je parle de deux régulières, bien sûr. Et on avait un autre paquet de base. Fait que qu'est-ce que vous avez mangé pour souper, vous autres? Avez-vous souper, vous autres? Checklist. Et on y va avec Tyler Benson, Rookie Portrait. Là, il nous manque toujours une Young Gun. Il manque toujours une Young Gun. Pizza et poutine pour Fred Gagnon-Gignac. Pourtant, on n'est pas soir de match. Mais c'est correct, on a une dernière Young Gun. Et ça s'en va au Colorado encore. Donc, Colorado qui s'en va avec deux hits, deux Young Guns. Les deux Young Guns s'en vont à notre ami du Colorado,
Fred Gagnon-Gignac, justement. Donc, poutine pizza, fait que poutine coat puis poutine Bauer s'en vont chez vous, et en dessous, on a une belle, belle Ovechkin Dazzler Gold. On aime ça quand c'est gold comme ça. Moi, tout ce qui est shiny, est très bien. Red. Donc, j'ai bien aimé la boîte, une petite Dazzler d'Ovechkin. Nice. Tommy Gagnon. Et après ça, on a que des bases. Si on s'en va dans l'artefact, les chums. Les chums! LP qui dit ça sent la fille, mais non, malheureusement, c'était juste une tin, mon ami. Et c'était la deuxième Young Gun, ça a été le fun, effectivement, que ce soit une hobby box, parce que généralement, quand on retrouve notre ami Martin Cott, on retrouve jamais loin notre ami. J'ai arrangé mon micro comme il faut là, pour qu'il arrête de bouger. Madame des voix, madame. Mais on pourrait quand même trouver. Imaginez si Martin Cout. Imagine la LP. Si Martin Cout il sort, je pense que ça a fucké, hein. On retrouve notre ami. Non, ça va pas fucker. Ok. Fait qu'imagine LP. Finalement, Martin Card dans une autre boîte va avoir appelé la fille dans une. Dans l'autre boîte d'après. Ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Et vous aussi, vous direz, c'est incroyable. Et on commence avec un petit jersey ici. Donc une petite Ricard Raquel base. C'est Alex Debrinka. Et une Max Domi. À l'époque, qui jouait pour l'Arizona. Repêché par les Coyotes. Jersey Trade of a Time. Pour l'Arizona. Donc, deux hits là. Je fais présent pour l'Arizona. Le Jersey de Max. Et la Young Gun de Victor Soderstrom. On va la mettre là en attendant. Max, parce que Max là, c'est un héros. On va l'appeler. On va l'appeler. Des bisous. Let's go! On veut des bisous! Et on n'a pas des bisous. On a l'air d'avoir quad de jersey. Waouh! Donc, Tundra, teammate quad, Matt Murray, Vigny Malkin, Jack, Jake Godzell. Et Chris Le Tang sur 99 exemplaires, c'est la 57e print pour Pittsburgh. Sylvain Tremblier, ça c'est pas pire, pantoute. Même Drake est content. Man. Drake trouve que c'est un hit satisfaisant, ça, mon ami. Et... regarde ça, je vais te la montrer plus proche. Là. Regarde ça. Trois épaules, ça va être une manche. Et c'est sûr, ça va prendre la place en premier ici, là, hein? Quad de jersey. Tiens, on va le mettre ici. Et on a un autre morceau de jersey encore! Base de Tristan Jarry. J'arrête plus les morceaux de jersey, là. Et là, on a une Aurum verte. Ouh, est-ce que c'est signé, ça? Est-ce que c'est signé, ça? Est-ce que c'était la Gretzky, était-tu verte? Ou était bleue? Bref. On a une Matt Duchesne sur 25. La 25e print, la dernière Aurum pour Nashville. Bref.
Ça, j'aime ça, là. Sylvain Tremblay qui se retrouve avec les deux hits back-à-back, là, Pittsburgh et Nashville. Waouh! En train de gratter le break, toi, là, là. 25e sur 25, la Aurum de Matt Duchene. Ouh! On aime ça! On aime ça! Là, on va finir avec juste des numérotés, j'imagine, parce que là, il me semble que on va avoir une rookie. Des bases. Là, on a notre rookie. Une rookie. C'est une Bowen Byram. Nice pour le Colorado. Donc, toujours, on t'envoie ça. Mon ami, Colorado, Frédéric Gagnon-Gignac, une petite Byram sur 995. Et je te mets ça dans un top load tout de suite. Puis, on va même la mettre sur le podium juste pour toi, mon ami. Just for you! Et on continue ça et on va avoir un autre morceau de jersey! Ça arrête plus! On est rendu à 4, là! 4 morceaux de jersey! Non, 3. Ça va être notre troisième plus notre Aurum. Plus notre Aurum. Et c'est une Brandon Obie pour Washington sur 175. C'est la 142e print. Washington, Tommy Gagnon. Braden, Obie. Et ça, on peut dire que ça va prendre la place. On dirait que ça pourrait prendre la place. On va enlever la rookie. On va mettre le goaler qui a de la misère cette année. Avec la Vancouver. Ok. Et là, on a un autre jersey. Tabarouette! Qu'est-ce qui se passe-t-il ici, Lucille? Qu'est-ce qui se passe-t-il, Lucille? Vous connaissez cette chanson-là? Qu'est-ce qui se passe-t-il, Lucille? Et on a une. Oh, Yaron Megenla ici. Nice pour le Colorado. Tabarouette. Qui aurait cru, hein? Fred Gagnon-Gignac, qui aurait cru que t'aurais sorti Yaron Megenla ce soir? Morceau de jersey. Thread of Time. Nice. Ok, ça va être plus, là, les hits, là. Une maudite belle Juicy Box, celle-là, là. Fred Gagnon-Gignac. Et voilà. Et là, j'imagine qu'on va arriver à un autre morceau de jersey! Ben oui! Non, mais c'est le party, là! C'est le party, hein! C'est le party! Et là, on va voir un jersey, un autre jersey. Et à qui ça appartient, ça? Et c'est une Romagnosi jersey signée! La 19e sur 165 seulement pour Nashville, le récipiendaire du trophée Norris, Sylvain Tremblay. Deux morceaux de napkin blanche ici, droite là, la 19e sur 65. Incroyable! Sylvain Tremblay qui passe la grappe. Passe la grappe complètement là. C'est juste lui qui a les hits jusqu'à présent. Auto Jersey sur 65. Sylvain Tremblay, qu'est-ce qui se passe? Eh oui! Ben Lobby, on s'en va. Et là, est-ce qu'on va pousser ça et on va mettre un autre jersey? Je peux pas croire là. Allez virer fou là. Allez virer fou là. Petite base. Base et une Martin Saint-Louis. On finit en force avec une légende du hockey québécois. Martin Saint-Louis pour Tampa Bay, Tommy Gagnon. Et voilà. Magic End is here, comme dirait Tommy Gagnon. Les hits commencent. Parce qu'ils ont peur de moi. Fait qu'ils ont peur que. Non, dans le fond, non, ils m'aiment. Non, ils ont pas peur de moi, ils m'aiment. Je les intimide pas, ils veulent que. Ils veulent glower. Ils font comme. Ah, Fred est là. Let's go. Est-ce que vous avez aimé ça ce matin? Parce qu'on va sûrement faire une journée dans la semaine où il n'y aura pas de break. Et ça va être quelques razes. Donc, comme on a fait ce matin.
Avec des plus grosses cartes encore. Là. Fait que des raz, on parle de. Ça veut dire des raz à 10 personnes, peut-être des raz à 25, à 30 personnes. Avec des énormes cartes. Là. Même si la jambe est niveau signé, on s'entend, c'est toute une carte. Là. Moi, j'apprends n'importe quand à la petite Jean. Mais bon, la gang, je prends la petite Jean. On vous tenait d'actuer. On est rendu à notre SP. Ça aussi, ça s'en met rare comme la marque de pape, comme je dirais tout le temps. Et là, est-ce qu'on va sortir une grosse. Une grosse Macar, une grosse Suzuki, une grosse Hughes, une grosse Kirby Dak, une Cap. Bon, non, Capo Caco, on peut pas sortir sa signature parce que lui est avec Panini. C'est avec Panini, lui. Fait qu'il n'y a pas de signature avec Copper Deck. Ok, donc on va commencer ça. Bonne chance à tous. Bonne chance à tous. Non, mais c'est ça, on veut comme commencer à diversifier les affaires. Comme vous avez vu aussi, les affaires d'enveloppe mystère mélangées au break. Ça, on veut faire ça aussi plus souvent. On veut faire justement des Raz. Le Fred Gagnon Gignac qui veut Macor. LP Leblanc qui veut Olofsson. On va aller voir, man. Bonne chance à tous. Bonne chance à tous. Authentic Moment, Carey Price. Pour le Canadien. Et le Canadien encore, Joe Drouin, qui connaît un bon début de saison. Donc, c'est pas trop achalé par les journalistes et ça semble fonctionner pour lui. Hein. Et là, on va aller voir ce qui se cache ici. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir? Une petite Patrick Kane update, là. Donc, on va aller voir le reste de nos cartes. Parce que je le sens que des grosses cartes qui s'en viennent. Je le sens que des grosses cartes qui s'en viennent. Ok, non, j'hallucine. Et là, moi, je regardais ça, puis au final, là, dans une artefact, ils te disent, ok, on va te donner 3. Soit autographe, mélange, ça va être trois affaires mélangées entre l'autographe, les jerseys et la signature. Et on va te donner une Rookie Redemption. Hey, on a eu. Puis l'Arum, elle compte là-dedans. Là. On a eu 4 jerseys, une Arum, puis la signature. Fou. Petit update ici, Alexander Georgiev pour New York. Fait que là, est-ce qu'ils vont nous faire plaisir de même avec cette boîte-là? Let's go, faites-nous plaisir. Attendez que m'emmène John Tavares qui devenait capitaine pour les Leafs. Là, je suis à présent. On a sweet fuck all dans cette boîte-là. Mais ça n'empêche pas que. Ça n'empêche pas qu'on va avoir une belle carte là, qui s'en vient. Le Leon. Leon Draisaitl. Pour les Oilers de Edmonton, une SP essentielle. J'ai tellement. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une auto-patch là. J'aimerais ça avoir une auto-patch. Ouh, 5 of a time ici, 5 of a time! Ouh, level 2! Level 2 pour Igor Shesterkin. Donc, Future Watch. Level 2 ici, là, c'est quand même. C'est pas commun, là. Tout le temps, level 1 est là. On a une level 2 pour New York, pour Shesterkin, FX. Donc, Rangers de New York, David Nadeau. Ça, je te mets ça tout de suite là-dedans. Hein. Je te mets ça tout de suite là-dedans. Là. On n'y est pas avec ça, là. Don't fuck with that. Et on a une autre. Spectrum, ici régulière, pas rookie, pas Future Watch, c'est une Connor Hellebuyck pour les Jets de Winnipeg. Jets de Winnipeg qui appartiennent à notre ami Mikael Asselin. Et là, je vais attendre ça. Moi, je suis le genre de gars qui attend. Moi, je suis le genre de gars qui attend.
Moi, je suis le genre de gars qui attend. Une Channel Stevenson. Update. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? Une Mackenzie Blackwood Future Watch en 999 pour les Devils du New Jersey. New Jersey, ça appartient à Carole Jo Mayer. Donc, elle a pris deux spots et là, tu te retrouves avec une petite Future Watch. De Monsieur Mackenzie Blackwood. On va mettre ça sur le board. Future Watch, on aime ça. On va enlever Monsieur Iggy ici. On va mettre la Future Watch. Et ensuite, on va arriver à petite Song of a Time que je cachais tout à l'heure. Kevin LaBanque pour les Sharks de San Jose qui appartient à Maxime Legault. Et là, on a sorti deux. Deux signatures. Est-ce qu'on va nous faire plaisir là? J'espère qu'on va nous faire plaisir. Let's go là. Monsieur Carte, fais-nous plaisir, s'il vous plaît. Parce que moi, c'est comme si j'appelle le dieu des cartes, je l'appelle Monsieur Carte. Ouais, non, là, Monsieur Carte. Il y a tellement de décoils, ça n'a pas de sens. Là, je veux des hits, je veux des hits. Des hits. Des hits. J'ai-tu dit Michael Asselin? Non, j'ai dit Maxime Legault, je pense. On veut des hits. Let's go. Des hits, des hits. Marc-André Fleury, SP essentiel pour nos amis de Vegas. Energy, c'est Beaudin, Young Gun. Donc, update pour Ottawa. Ottawa qui appartient à Steve Robitaille qui espérait avoir une carte. Donc, et voilà. Bon, Steve, t'as une petite carte. Le CJ. Le GC Beaudin. Et on va avoir une Corner McDavid, SP essentiel ici. Il a resté des bases. J'ai toujours espoir de revoir un jour. Une SP signée par Corner. La journée où je l'ai sorti, je suis viré fou. Sur 10 exemplaires seulement, une signature de Authentic Winner de Monsieur McDavid. Je m'ennuie de ça. J'ai hâte d'en avoir une, là, McDavid signée, là. Et on va avoir une patch, les gars! C'est ça que je veux. Je vis pour les patchs, les auto-patchs. J'espère que c'est une patch. J'espère que c'est une auto-patch. On l'avait dit, les gars. Je le sens ce soir. On a eu une Juicy Box Artifact. On va avoir une autre Juicy Box là, avec une Authentic Moment Alex Pietrangelo pour Saint-Louis. On a une signature! Toronto, Future Watch, Carl Rosen, défenseur, la 941e sur 999. Can you feel it? Can you feel it? Et là, on s'en va dans l'autre. On va dire, ouais. Ça serait fou là, une autre signature en plus. Là. Parce que là, on a trois signatures puis on a une patch là. J'imagine que c'est une patch là. J'espère juste Stukaras que Bostonnais. Parce que ça serait plate en tabarouette si c'est juste un decoy blanc au lieu d'être brun comme les autres. Base. Mm-mm-mm-mm-mm.
Et on a une petite Caden Fulker ici sur 100 Future Watch Auto Patch pour Détroit. David vient. Donc la 84e sur 100. Le gardien recrue de l'année passée, Caden Fulker. Auto Patch deux couleurs pour les Red Wings de Détroit. Et là, on s'est retrouvé avec 4 signatures dans la même boîte. C'est toute une boîte, on peut pas demander mieux. Wouh! Je pense qu'elle rentre pas ici. Ben, on va la mettre ici, comment elle est belle. Et voilà. Ok. Et là, on est rendu à notre chronologie. Donc, on était petit auto patch, Caden Fulker. Fait qu'on a eu 4 Future Watch signés. Pas à chier, pas comme moi, vraiment pas à chier. Ça commence pour ça justement. Qu'il n'y avait rien dedans. Et là, j'ai. C'est très mince ça. Donc on va avoir une Redemption là-dedans, j'ai bien l'impression. Ça ne veut pas dire que c'est pas grand chose. Ça veut dire que c'est peut-être super gros. Et non, on n'a pas de Redemption. Non. Je sens. Eh ouais, ok. Je sens qu'on va avoir. Donc préparez-vous mentalement là. La dernière carte là, c'est une time capsule. Donc on va aller voir notre première carte qui est une Mikko Rantanen pour l'Avalanche du Colorado. Donc Fred, Gagnon Gignac, t'as une petite Rantanen sur 222, la 203e print pour toi. Ça en va chez toi. Dans la poste. Ou si tu viens la chercher, elle va finir par s'en rendre chez vous. Et là, on va avoir une time capsule, je vous avertis, préparez-vous, hein. Prepare yourself. Pour les Flyers de Philadelphie, on a une belle signature de Carole Joumaier, t'as une belle signature de Simon Gagné ici. Donc, franchise. Donc, History franchise. La Simon Gagné. Ouf. Lui, dans la Team Canada, il me faisait capoter. Canada Junior, là. Je me souviens, j'étais chez ma grand-mère, je capotais. Ma grand-mère, je capotais aussi, man. Et voilà, on va le mettre ici. On va aller voir chercher notre autre carte. Ouh, Washington! Tommy Gagnon, une Peter Bondra ici. Puis en plus, elle est... Honnêtement, elle me semble être plus thick que les autres. Elle est faite plus solide. Pour vrai, là. Wow! Peter Bondra. Légende, ça, d'hockey, celui-là. Là. Peter Bondra. Puis tu sais que la signature est vraiment belle. La signature est magnifique. Wow! Donc, plus de 1000 matchs en carrière. Pour Peter Bondra. Ça mérite d'être là, au moins. Peter Bondra. Et la dernière carte est pas numérotée. Oh, est-tu numérotée? Elle est pas numérotée. Qu'est-ce qu'on a? On a une Quinn Hughes. Et là, Vancouver, c'est à Samsung. Est-ce qu'on l'ouvre ou on l'ouvre pas? Elle n'est pas numérotée. Quinn Hughes. Vous connaissez comment je fonctionne? La chanson, on va jouer deux fois. Et après, si j'ai pas de réponse, on l'ouvre pas. Mais je laisse la chanson jouer deux fois. Et là, on va repartir la chanson une deuxième fois. Samsung. Est-ce qu'on l'ouvre ou on l'ouvre pas, Time Capsule? De Quinn Hughes. Ok, donc malheureusement,
Pas de réponse, ce qui veut dire qu'on s'en va faire le tour des hits qu'on a eu dans la soirée. D'abord, on a commencé ça avec une petite tin avec aucune attente. Une tin, c'est une boîte en métal, on n'entend pas grand chose. Et on est allé chercher. On est allé chercher une Shane Bauer, une Martin Cott, les deux pour près de Gagnon-Gignac. Et le cadeau, le gravy par-dessus tout ça, la Victor Soderstrom, Yuri Canvas. On est allé ensuite dans l'artefact là. Oh mon dieu, l'artefact. On en a-tu eu des affaires dans l'artefact? L'artefact, t'es supposé avoir deux chandails, une rhum. Ça devrait être ça, that's it. Et là, qu'est-ce qu'on a eu? On a d'abord eu une Thread of a Time pour les Coyotes de l'Arizona. La Rookie. Bowen. C'est peut-être le deuxième à avoir là, dans cette série-là. Là. La Orum sur 25 exemplaires seulement pour Nashville. La Orum verte. 25. La Sprint. Ça finissait pas là. Une Brandon Oldby, la 142e sur 175 jersey. La Thread of a Time de Yaron McGinn, là, à l'époque qu'il jouait pour les Colorado. On a une quad Tundra teammate, Malkin, Murray, Le Tank, Genzel, mais surtout Malkin, sur 99 exemplaires seulement, et c'était la 57e. Et on termine ça en beauté avec une signature jersey sur 65 seulement du récipiendaire du dernier trophée Norris pour le meilleur défenseur de la Ligue nationale, le numéro 59, Roman Yossi. Wow! Ensuite, on est allé ouvrir une petite SP. Et dans la SP, qu'est-ce qu'on a trouvé? Dans la SP, on nous promet en moyenne deux signatures. Mais là, on n'a pas eu juste deux, on en a eu quatre. On a eu la première Future Watch sur 1999 pour Kyle Rosen. La Mackenzie Blackwood. La Sign of a Time de Kevin LaBanc. Et pour terminer, la belle Auto Patch sur 100, la 84e de Monsieur Kaden Fulker pour les Red Wings. Et on a terminé ça avec la Chrono Strantanen sur 222, la Simon Gagné, la Quinn Hughes Time Capsule qu'on a décidé de pauvrir, et la Peter Bundra Signature. Si j'avais à choisir, ce serait ma troisième position. Hein? Ma deuxième position irait probablement à la Auto Patch ici, et en première position, j'irais placer la belle petite Roman Yossi sur 65 exemplaires, la 19e auto jersey. On se dit à tantôt!